l'un tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole pour vous exprimer, poser vos questions, partager vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Répondre à Nathalie, la mondialisation. On a posé la question à Eric Alphen il y a déjà presque quoi, 15 ans. Mais vous savez, la mondialisation, c'est comme un gouvernement. C'est un gouvernement mondial. Là-dedans, vous avez tous les ministères et tous les pouvoirs et partout dans le monde. Par exemple, et comment ils font ça, comment ils ont commencé à faire ça, le nouveau philosophie de la mondialisation, depuis que George Bush il a annoncé à ce jour, a beaucoup changé. Ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas comme avant qu'on loge de franc-maçonnerie, ou un groupe secret dans certains pays, tout ça, et il fait tout, il gouverne tout. Comme vous pouvez constater, vous avez la communauté européenne, la France ne peut pas prendre des décisions individuelles, on peut dire, tout seul, pour son pays, doit passer par le Parlement européen, gouvernement européen. Vous avez le gouvernement européen. C'est le gouvernement, on ne dit pas. Mais c'est le gouvernement européen. Pour n'importe quoi, pour la plupart des choses, vous devez respecter les règles du gouvernement européen. Alors la même chose, vous l'avez pour le gouvernement mondial. Mais le gouvernement mondial, il était très intelligent. Surtout depuis 40 à 50 ans, on peut dire depuis 45 ans, 50 ans, c'était bien organisé et bien programmé, et c'est le meilleur moment de la mondialisation depuis éternel à ce jour-là. Puisqu'ils ont commencé de créer les universités. Et même s'ils n'ont pas pu créer partout des universités, ils ont pu avoir des sections pour éduquer des étudiants qui demain vont devenir dirigeants dans la justice, et dans l'économie, et dans la politique, dans la municipalité, dans le parlement. Voyez, c'est-à-dire, vous avez, ou en France, l'ENA, hein. On disait, ah, ce gars-là, il vient de l'ENA. Mais la mondialisation, il a fait son affaire à lui-même. Il a créé des universités, même s'il n'a pas pu créer des universités comme dans tel pays, Europe de l'Est. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dans certaines universités, il a emprunté des sections, et il a éduqué, des gens. Par exemple, comme Michel Obama et Barack Hussein Obama, ces deux personnes, ils deviennent même Obama sénateur avant de devenir président des États-Unis, mais ils étaient dans ce truc-là. Alors ça, on donne des bourses et tout ça, mais ils sont là-dedans. Après, vous avez des juges, vous avez des professeurs, vous avez... De toute façon, vous avez des journalistes, par exemple, imaginez-vous, quand l'histoire de Panama Papers
a été, c'était scandale, a été déclaré. On a bien dit que plus de 10 000 journalistes étaient dedans. Ces 10 000 journalistes n'étaient pas seulement en France, c'était dans le monde entier. Il y a une organisation qui réunit plusieurs milliers de journalistes de scandale, des journalistes qui cherchent des problèmes, Tous ces problèmes-là qui ont été jugés depuis Chirac, Roland Dumas, Tazouak, Sarkozy, tout ça, ce n'est pas récent, ça existe depuis éternel. Dans nos politiques, ça existait. Voyez, mais dès qu'on veut égorger quelqu'un, rapidement, nous avons l'équipe nécessaire pour faire le travail. Toujours on dit, quand on vous donne des exemples, si on vous donne des preuves, vous le comprenez mieux. La mondialisation qui est plantée partout dans le monde et qui a des soldats, des ministres, des poutés, des élus, des juges, des avocats, des écrivains, des journalistes, il est bien planté. Parce que même, vous pouvez écouter vice-président des États-Unis, son témoignage à ce sujet-là, le témoignage de l'ancien maire de New York. C'est quelqu'un quand même, hein. Ce n'est pas, excusez-moi, Joseph ou Abdallah ou Christophe, hein. C'est l'ancien maire de New York, un homme fort d'État américain, un avocat, et en plus, lui, il était avocat du président de la République, président des États-Unis, il était son avocat, ce gars-là, et son assistant. Je vous laisse écouter 3, 4, 5 minutes de ses propos, ce qu'il dit à ce sujet, c'est-à-dire seulement vous prenez note aux États-Unis, ou aux États-Unis, le pays qui règne dans le monde, qui gouverne le monde, c'est comme ça on dit c'est les États-Unis qui gouvernent le monde. Là-dedans, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit Rudy Giuliani. Rudy Giuliani était maire de New York. N'oubliez pas, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Ce n'est pas puisque seulement il était à côté de Trump. Alors non, c'est quelqu'un, pendant des années, il était un homme fort aux États-Unis. Écoutez ce qu'il dit pour les États-Unis. Seulement les juges, les procureurs de la République qui sont aux bottes de ce gouvernement mondial. C'est très important, mes chers amis. Ça aussi, je vous invite de bien écouter, et une fois que bien écouter, en même temps, prenez note si vous n'enregistrez pas. C'est très important. C'est très important ce qu'il dit. En plus, il le dit sur une grande chaîne de télévision mondiale. Il ne le dit pas murmure dans l'oreille de quelqu'un. Il annonce ça sur une chaîne internationale. Et il est, au moment qu'il est en train de dire ça, il est avocat, assistant du président des États-Unis, le pays plus fort dans le monde. Où sommes-nous? Vous allez voir. Écoutez ça, mes chers amis, et notez ce qu'il vous dit, Rudy Giuliani.
Avoir compte, c'est une expression tout à fait honorable. Mais si on parle de l'organisation, c'est une organisation marxiste, violente, qui prône le meurtre d'officiers de police, ce qui a mené à la mort d'officiers de police et à des émeutes importantes partout où, en théorie, on devait manifester de manière pacifique. Ils parlent des États-Unis. Et ils causent d'énormes dégâts à leur propre communauté. Ils ont détruit des entreprises gérées par des Noirs à travers tout le pays. Ils fracassent les portes, ils débarquent, ils pillent ce qu'il y a à l'intérieur. Rien que la nuit dernière, il y a eu des pillages à Philadelphie. 4 jours de pillages. J'ai vu les images. Un magasin était éventré. Il y avait des gens venus de leur banlieue qui chargeaient leurs voitures de téléviseurs. Aux États-Unis. Et la police était là en train de regarder tout ça, parce qu'à Philadelphie, il y a un procureur mis en poste par George Soros, qui n'engage de poursuite que dans une moitié de cas, qui préfère les criminels aux innocents. Et le maire qui ne laisse pas la police arrêter les émeutiers. Ok, George Soros, tout comme Black Lives Matter, nierait ceci. George Soros ne va pas nier le fait qu'il est un donateur majeur de Black Lives Matter. George Soros ne peut pas nier le fait d'avoir financé 27 élections de procureurs de district où des procureurs complètement incapables ont été élus. Des procureurs qui n'engagent pas de poursuites et laissent les criminels partir libres. George Soros est à lui seul responsable de l'augmentation du taux de criminalité à Philadelphie. Il nie cela complètement. Le fait est que nous parlions du système de santé. Et nous savons également que Biden et Trump se prononcent tous les deux en faveur du fracking. Trump a dit qu'il réformerait le système de santé. Il n'y a rien eu de révolutionnaire dans ses réformes jusqu'ici, excepté qu'à présent, il évoque un prix de référence des médicaments, agaçant le lobby des grands laboratoires. En parallèle, il dit qu'il va remplacer l'accord de Paris. Rien n'a vraiment été concrétisé pendant ces 3 ans et demi. Ah, Dieu merci, l'accord de Paris était une horreur. Il permet à la Chine de polluer la planète pendant que nous restons assis à voir nos économies prendre des coups. Car la plupart des pays chez vous, en Europe, têtent les pieds de la Chine, mais pas nous. Obama était dépendant de la Chine. Et maintenant, nous savons pourquoi Biden aussi, car il était payé pour ça. La Grande-Bretagne souhaite visiblement un accord post-Brexit avec la Chine. Vous êtes proche de ce pays, vous possédez un titre honorifique de chevalier britannique. Que va-t-il se passer si Trump est réélu ou si Biden est élu en ce qui concerne ses relations privilégiées, étant donné que la Grande-Bretagne sort de l'UE le jour du Nouvel An? J'ai un immense respect pour la Grande-Bretagne. Et je pense que le président aussi, il a clairement prouvé combien il se sent proche des Anglais et du gouvernement britannique lorsqu'il s'y était rendu. Le problème du président avec nos alliés en Europe, c'est qu'ils ne paient pas leurs factures. Un problème majeur, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est un pays très riche. Ils paient moins de la moitié de ce qu'ils sont censés payer pour l'OTAN. Aucun accord commercial n'a été signé entre les États-Unis et le Royaume-Uni, même au cours du dernier mois de sa présidence. Pensez-vous que Biden signera l'accord avec Boris Johnson beaucoup plus rapidement, dans ce contexte d'un avenir post-Brexit? Seulement si quelqu'un le lit pour lui. Je veux dire, Biden n'a presque plus sa tête. Vous devez le comprendre. L'avez-vous déjà vu dire qu'il se présente contre George ou qu'il prête allégeance aux États-Unis et tout le reste? Ou le fait qu'il ait confondu sa femme et sa sœur? Le Parti démocrate a des projets pour Joe Biden, c'est sûr. Il y a 2 choses importantes sur la base desquelles ils peuvent le chasser quand ils le souhaiteront. Ils peuvent convoquer 10 psychiatres et dire qu'il souffre de démence parce que c'est vrai. Deuxièmement, maintenant qu'ils ont ce disque dur, qu'ils étaient en train d'utiliser pendant ces 2 dernières semaines, ils peuvent le prendre et ils peuvent lui montrer toutes ces photos qu'il ne veut pas que vous voyez. Mais il le nie. Il y a encore d'autres crimes qui ont été révélés. Vous m'avez posé une question sur cette photo de Hunter Biden. Vous savez pourquoi est-ce pertinent? Parce que la Chine possède toutes ces photos, et encore davantage. Parce que c'est ce que fait la Chine pour extorquer les gens. Vous vous souvenez quand les démocrates étaient tous bouleversés que la Russie puisse avoir des photos de Donald Trump et de sa famille? Eh bien, la Russie a des photos de Biden, tout comme la Chine. Beaucoup de photos, des milliers, très compromettantes. Et le Parti démocrate aussi. Cet homme ne devrait pas s'approcher de la Maison-Blanche. Il s'est trop compromis. Eh bien, il nie qu'il souffre de démence, et pour les Chinois et les Russes, c'est impossible de vérifier. C'est vrai, il nie qu'il souffre de démence. Mais encore une fois, il pense qu'il se présente contre George. Il pense avoir travaillé au Sénat pendant 186 ans. Il confond les noms des gens tout le temps.
Il ne peut pas se souvenir des chiffres. Et Nancy Pelosi a l'intention d'assouplir les restrictions si un président souffre d'une maladie mentale ou de problèmes mentaux et qu'il doit démissionner. Elle a dit que cela ne concernait pas Trump. Alors à quoi ça sert exactement? Ne vous inquiétez pas, je ne pense pas qu'il sera élu. Et très brièvement pour finir, tout le monde en Europe va être vraiment surpris parce que les gens ne font qu'écouter notre presse qui est totalement biaisée. Et donc, ils ont une compréhension très irréelle de ce qui se passe dans ce pays. Peut-être que vous êtes au courant de ce qui se passe à New York, peut-être que vous savez ce qui se passe à Los Angeles, mais vous n'avez pratiquement pas la moindre idée de ce qui se passe dans l'Iowa. Alors très brièvement pour finir, concernant ces sondages, évidemment la dernière fois c'était à la fin du jour du scrutin, il y avait une différence de 2 points. Et bien sûr, Trump a obtenu la majorité au collège électoral. Cette fois-ci, cela pourrait sans doute être plus compliqué. Pensez-vous que vous allez soutenir officiellement la campagne de Trump si la situation est similaire? Il a 1% d'avance en Caroline du Nord, il a 3% d'avance en Floride. Voilà, ça c'était Rudy Giuliani au moment des élections américaines, que son président était encore en place, et lui était son avocat, son conseiller, et ancien ex-maire de New York. Ses propos... C'est étonnant. C'est à réfléchir. Grande puissance mondiale, les États-Unis, il y a déjà presque un an, il disait ça. C'est ça, gouvernement mondial. Que même les États-Unis, il ne peut pas résister et il est obligé de se plier. Et comme vous pouvez le constater, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole pour vous exprimer, poser vos questions, partagez vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, au 08 92 23 95 20, tout de suite on va prendre Pita. Bonsoir Pita, comment allez-vous? Oui, c'est Pita, très bien, toujours quand je vous entends, je t'entends, allez, on se tutoie, on est entre rimistes. Eh bien, toujours un bonheur d'entendre le grand David Abassi, et vraiment que l'émission dure longtemps, parce que qu'est-ce qu'elle nous informe, qu'est-ce qu'elle nous apprend, des choses passionnantes. Voilà, c'était d'abord pour te féliciter, et vraiment...
Bon, c'est une émission qui est précieuse et j'espère qu'elle va continuer longtemps parce que j'en ai besoin, moi, psychologiquement, de l'entendre. Et pour m'informer, bon, je n'ai pas vraiment Internet, donc une vraie grosse nulle. Je m'y mets, David, je m'y mets. Tu m'avais fait, je te dis, de la réflexion. Voilà. Donc, je voulais simplement, bon, parce que tu as parlé de beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup ému quand tu as parlé de l'Afghanistan. Tu as vraiment des connexions partout, hein, étant polyglotte, cosmopolite, vraiment très, très, vraiment. Vraiment investi partout, c'est impressionnant. Donc évidemment, en Afghanistan, on a une pensée pour ces pauvres gens, et bien sûr, le grand Massoud, bon, c'est très triste, j'espère que... Qu'est-ce qu'il est possible de faire là-bas? Tu nous le diras plus tard dans l'émission, c'est très compliqué maintenant, bien sûr, ces pauvres personnes. Bon, enfin, de toute façon, ce qui est derrière tout ceci, je vais parler, hein, David, tu donneras ton avis ensuite, parce que je n'ai pas trop d'unité, j'ai un portable vraiment assez merdique, donc voilà. Et donc, oui, l'Afghanistan, de toute façon, ça a commencé avec, bon, KGB de l'époque, aujourd'hui FSB, GRU, bon, peu importe. La CIA a une grande part de responsabilité quant à l'émergence de ces talibans, parce qu'il se trouve que je connais un Afghan, et il sait très bien qu'il adore Massoud, hein, il a un portrait chez lui, etc., il le vénère, et bon, tout vient aussi de cette bonne vieille CIA, bras armé de l'État profond américain, je l'appelle l'hydre, moi. Comme disait le grand Eisenhower, méfiez-vous du complexe militaro-industriel américain. Oui, il faut se méfier du complexe, je rajouterai, donc je l'ai déjà dit ce soir, hein. Militaro-industrio-chimico-pharmaco-industriel américain, c'est bien cet hydre-là qui gouverne le monde. Et bien sûr, maintenant, il y a le côté l'autocrate, le cœur du milieu, parce que la puissance du 21e siècle, ça va être la Chine, hein, c'est certain. En matière militaire, ils sont bien avancés, très avancés, les autres matières aussi. On a une pensée pour les Ouïghours aussi, puisqu'on parle des pauvres Afghans, les femmes qui ont eu, avec un courage incroyable, ont manifesté pour essayer de garder leur liberté, mais avec ces talibans, les carottes sont cuites, je le crains. Bon, voilà, donc je souhaitais te remercier d'avoir parlé de... des gens courageux, mais c'est une mosaïque. L'Afghanistan, c'est un pays sublime et très complexe. Hein. Très complexe, c'est une mosaïque d'ethnies ou de tribus, enfin, c'est de tribales, enfin, c'est compliqué. Donc, c'est très, très difficile d'y mettre le pied, mais la CIA a fait de gros dégâts, toujours la même, toujours celle qui œuvre partout, en Syrie, etc., Irak, bon, c'est pas la peine de faire le listing. Elle est charmante, celle-là. Je ne dis pas que le FSB soit blanc comme neige, rien à envier. Et les services secrets chinois, je leur carte aussi, c'est du propre. Bon, donc ça, je voulais te féliciter d'avoir parlé, David, de cela. Je ne parle pas trop vite, pardon, David. Non, non, c'est bien, on vous écoute, hein, pas bon, de voilà, problème. Parce que je déverse vite, parce que j'ai un portable qui risque de couper. Alors, le Chirac, tu as eu la chance, ou plutôt la malchance, parce que pour moi, c'est un gros parasite et de la République française, bananière, et des Pinochet qui l'a créché, et des Hariri qui l'a créché. Bon, pour moi, c'était un gros... Bon, après, sans doute l'as-tu connu, mais c'était un sale type qui cachait bien son jeu. Bon, ça, c'est dit. Après, chacun, j'ai choqué des gens, je m'en fiche. Je dis ce que je pense, et tel que je le pense, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. C'était un gros manipulateur, un gars qui a péniblement fini l'ENA parce que Bernadette l'a poussé au séant, pour parler poliment, à l'arrière-train pour le faire. Bref. Alors, Biden, c'est très intéressant ce que l'on a entendu tout à l'heure. Bien sûr, c'est un vieux briscard de la politique. Bien sûr, il est vendu corrompu. Nous avons vu cela avec les vaccins. Ça ne m'étonne pas. Alors, qu'est-ce que cela donnera bientôt, autant peut-être OKM, enfin, le jeu de mots, en emportera le vent. La planète est très en colère. Tout ceci, ça commence à bien faire. À mon avis, il va y avoir une synergie de la colère planétaire et de tous les problèmes qu'auront engendré la CIA, d'autres services secrets. Nous sommes des pions, là, nous, les gens de... Pas toi, David, qui est un savant, mais les gens du quotidien, comme moi, là, je n'ai même pas Internet, mais ça y est, je m'y mets, péniblement. Bon, enfin, je vais essayer, mais bon, la technologie et moi, ça fait un petit peu deux. Donc, heureusement que nous avons des David Abassi, des Didier de Pêche pour nous, pour informer des gens comme moi, qui sont sous-informés, mais c'est de ma faute aussi. Bon, alors, je voulais parler donc de ce Biden, ça c'est fait, merci d'en avoir parlé, David. Donc, le Chirac, ça, bon, il est rhabillé pour l'hiver de l'autre côté là, du miroir, s'il y a une vie après la mort, on ne le félicite pas. Les essais nucléaires, salopards, bon, bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, félicitations, David, pour la musique que tu passes, qui est passée à 23h22, une tuerie. J'imagine que c'est une musique de film. Bon, il y a eu Denis Rousseau, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, oui, merci pour cette musique, pourvu que tu la laisses longtemps. Essaie de me dire, après mon speech, est-ce que c'est une musique de film? Une tuerie. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
le Sarkozy, on sait qu'il ne fera pas de prison. Est-ce que le Chirac a fait de la prison alors que c'était un gros salaud qui a eu des transbahuté des valises de billets, commission, rétrocommission, du coup des morts ingénieurs là-bas. Bon, il y a eu l'histoire avec Balladur aussi, bon bref. Bon, tout ça c'est lamentable. La France, c'est une république bananière depuis, bon, je sais pas moi, depuis des temps immémoriaux, j'allais dire depuis, bon, la 5e République, la 4e, là, depuis 40 ans. Bon, au moins, il y a des gens bien comme des David Abassi, mais vous, cher ami, vous êtes perse. Vous n'êtes pas français. Donc, déjà, vous êtes au-dessus de cette mêlée. Bon, mais vous connaissez énormément de monde, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Merci pour tous les sujets passionnants. Voilà, j'ai dit, grosso modo, j'ai jeté ça un petit peu. Il y a eu la manif aujourd'hui avec l'histoire du pass sanitaire. Bon, on fait ce que l'on peut à son échelle. J'ai, moi,